culture. Bonjour. Bonjour Linda. Plein de bonnes choses à vous et quel plaisir de se retrouver après un mois d'absence. C'est bien. Hein, oui. De se séparer pour mieux se retrouver. C'est ça. Je vous ai manqué beaucoup. Moi, vous m'avez beaucoup manqué. Beaucoup. Et voilà le retour et c'est que du plaisir et du bonheur de se retrouver. Tout à fait. Alors, on va commencer déjà par cette belle exposition qui se déroule au niveau du hangar. Qui est en fait au niveau du centre commercial Garden, qui expose actuellement une belle exposition de photographie où on revient sur l'architecture, sur les différents styles d'architecture chez nous en Algérie et également cette passion que notre cher photographe a pour la photographie. Et c'est notre Fateh Boumehdi à qui on souhaite aussi un très bon Eid, qui a été, il a été à la rencontre de notre artiste photographe. À travers 21 photographies, Mohamed Abdelmoumen nous propose une balade dans les ruelles et monuments historiques d'Alger, mais aussi dans plusieurs autres villes d'Algérie. Nous citons à titre d'exemple Constantine, Bouzaïda, Oran et Tlemcen. Chaque détail architectural a son importance et doit être immortalisé. C'est une manière pour lui de faire découvrir davantage la richesse architecturale de l'Algérie. Mohamed Abdelmoumen. Donc à chaque fois que je me déplace dans des villes algériennes, j'étais souvent attiré, fasciné par notre patrimoine architectural qui date pour montrer la richesse architecturale de l'Algérie. Moi, je voulais, à un moment donné, je voulais être architecte, donc j'ai raté ma vocation d'architecte. Donc là, je pense que c'est une manière aussi pour moi de rendre hommage aux architectes à travers la photo. J'aime bien l'architecture, j'aime bien la géométrie, j'aime bien les formes, la symétrie. Et c'est pour ça que je me suis mis à la photo. Et pour lui, la ville d'Alger a une âme particulière. Je suis fasciné par Alger. Je m'y balade tout le temps, tous les jours. Et à chaque fois, je découvre des merveilles cachées dans ces ruelles. On peut facilement rencontrer cette richesse dans les rues d'Alger. Et cette âme, c'est aussi l'objectif, c'est de montrer un petit peu l'Algérie sous un autre angle. C'est vrai que l'Algérie est connue par ses paysages. Le désert, les montagnes, la mer, les plages, les belles plages, mais aussi il y a ce patrimoine architectural qu'on doit préserver, qu'on doit mettre en avant. Une exposition à visiter qui s'étalera jusqu'au 30 de ce mois et c'est au niveau de la galerie Hangar à Alger. Instant, Linda, patrimoine qui doit être préservé. Oui, il parlait du patrimoine architectural. Patrimoine architectural. Et le mois du patrimoine s'installe ce week-end. On va en profiter. Il va y avoir beaucoup d'expositions, de conférences, de projections de films liées au patrimoine. Beaucoup d'expositions. Donc c'est vraiment cette année, on va aussi profiter de ce mois du patrimoine qui démarre donc du 18 jusqu'au 19 mai. Et la journée mondiale du musée aussi, des musées à travers le monde entier. Donc chez nous aussi, nos musées seront ouverts, gratuits, également, oui. pour ce mois du patrimoine. Voilà, et un bel événement aussi nous attend à partir de ce mardi, où il va y avoir donc de très belles rencontres qui se feront au niveau de Dar Salem, à la Casbah d'Alger. Vous savez, cet espace qui appartient aussi à la Zawiya Al-Alawiya, où il va y avoir tout au long de ce mois, donc la fin de ce mois d'avril et mai, des conférences, des séries d'expositions, la calligraphie sera présente, on va y revenir tout à l'heure si vous le voulez, bien. On reviendra aussi sur cette très très belle rencontre, exposition qui va se faire au niveau de Dar Salem à la Casbah, derrière la mosquée Kechewa. Et vraiment, ce seront des rendez-vous à ne pas rater. Voilà, que de bonnes nouvelles. Un plaisir de vous retrouver. Merci, Linda. On vous retrouvera donc vers 9h05. Absolument, pour le 100% culturel.